Tout commence à l'aube des temps, quand les hommes rendent un culte à des êtres surnaturels qu'ils appellent divinités. Les écrits sumériens citent des centaines de ces divinités venues du ciel il y a 400 000 ans pour s'installer en Mésopotamie. D'apparence humanoïde, de grande taille et très avancée technologiquement, ces êtres, appelés Anunnaki, se querellent et se font la guerre, s'épousent entre frères et sœurs et ont des enfants. Ils sont mortels, mais leur espérance de vie correspond à des milliers d'années terrestres. Les plus importants d'entre eux sont le roi Anu et ses fils Enlil et Enki. Les Anunnaki cherchent l'or pour le nébuliser dans l'atmosphère de leur planète Nibiru et former une couche qui la réchauffera. Mais alors qu'ils trouvent l'or en abondance au Zimbabwe, leurs troupes refusent de travailler dans les mines. Enki convainc son frère Enlil, chef de la mission terrestre, qu'en améliorant un primate africain, le problème de la main-d'œuvre sera résolu. Ainsi, il y a 300 000 ans, les Anunnaki combinent génétiquement leur ADN avec l'ADN d'une femelle d'Homo erectus et celle-ci génère le premier homme, l'Homo sapiens, un hybride stérile mâle créé à l'image des Anunnaki, apte à comprendre les ordres et à creuser la terre. Les Anunnaki manœuvrent génétiquement des animaux les rendant domestiques, manipulent l'épeautre sauvage qui devient le blé et modifient bien d'autres choses afin d'obtenir un système optimal dans leur champ clôturé de l'Éden. Pour les travaux d'agriculture et d'élevage dans l'Éden, les Anunnaki améliorent des Homo sapiens qu'ils appellent Adam. Et pour les excavations en Afrique, ils clonent des hommes simples qui n'ont qu'à travailler pour être jetés après usage. Lassés de cloner sans cesse, les Anunnaki rendent l'homme fertile et fabrique la femme, mais supprime génétiquement les génomes qui produisent les griffes et les poils afin qu'il n'ait pas de défense. Puis ils développent les génomes de leurs cheveux afin qu'ils poussent en continu. Cela est inédit et complique la survie dans la nature, mais les cheveux des femmes excitent les Anunnaki qui abusent d'elles et trouvent ainsi un exutoire sexuel. Les religions imposent d'ailleurs toujours aux femmes de se couvrir la tête pour ne pas provoquer le désir des dieux. En effet, ne les voyant jamais mourir, les humains croient les Anunnaki immortels et les adorent comme des dieux. Cependant, ces dieux se comportent comme des bergers qui imposent leurs ordres par le bâton. Ainsi, sous la menace de châtiment divin, naît la religion, un système d'obéissance très efficace qui perdure de nos jours. Comme l'organisme des Anunnaki n'est pas approprié à l'air terrestre, ils calment leur étouffement par inhalation des endorphines contenues dans la fumée de la graisse brûlée. Préférant vivre en altitude, ils se cachent dans les montagnes, se font représenter par les Adams
et édifient de hautes constructions que les hommes doivent gravir pour les rencontrer et prendre les ordres. Enlil, chef de la mission terrestre, craint toujours l'intelligence des humains. Il les chasse de l'Éden quand il s'intéresse de trop près au laboratoire de recherche et provoque même un grand déluge, noyant tout être vivant, à l'exception des Anunnaki, qui se sauvent et observent le désastre depuis leurs vaisseaux spatiaux. Mais Enki a averti l'Adam Zwisudra et celui-ci a construit une arche pour sauvegarder le patrimoine génétique de sa famille, des animaux et des plantes créées pour l'Éden. Quand le déluge s'achève, il ne reste que quelques humains échappés sur les montagnes et les Adam de Zwisudra, qui se mélangent entre eux et repeuplent la terre. C'est alors que les Anunnaki décident d'atterrir et de se partager le monde. Les Anunnaki s'unissent aux femmes afin de générer des chefs du peuple à qui s'adresser pour donner des ordres et naissent ainsi les rois héros, des mortels au pouvoir surnaturel, ancêtres des actuels souverains de ce monde. Le plus célèbre d'entre eux, Gilgamesh, ambitionne même l'immortalité. Mais cela n'est possible que sur Nibiru, où le mouvement autour du soleil donne d'autres paramètres du temps. Le roi Anu commence la colonisation de la Terre, attribuant le centre de la Mésopotamie à Marduk, le puissant fils d'Enki. Mais Marduk ambitionne un empire. Il fonde Babylone, arme ses hommes et à bord de sa machine destructrice, il les conduit jusqu'au Nil. Les anciens écrits égyptiens cite ces puissants dieux géants au pouvoir surnaturel. Les plus importants de ces dieux sont Marduk, appelé Ra, dieu du soleil, son fils Thoth, dieu du savoir, et Osiris, dieu des âmes, assassiné par son frère Seth, le dieu du mal. Quand Marduk rentre en Égypte, il sait bien que ce territoire est attribué à sa tante, la Vierge Neith, fille favorite du roi Anu. Comme il veut remplacer Anu au pouvoir, Marduk attaque sans scrupule Neith jusqu'aux pyramides. L'Anunnaki Bes, à qui a été attribué le Soudan, profite alors de ce conflit. Il envahit l'Égypte, repoussant Marduk à Babylone et Neith en Grèce. Mais la Grèce est déjà attribuée aux frères du roi Anu, l'irascible dieu Poséidon, et celui-ci ne veut pas d'intrus, fût-elle sa nièce Neith. En faveur de Neith, appelée Athéna par les Grecs, interviennent alors le roi Anu lui-même, le dieu égyptien Thoth, appelé Hermès par les Grecs, et le dieu de Sparte, Apollon. Athéna s'installe alors dans la plaine d'Attique, fonde la première Athènes, la protège des incursions des peuples de la mer et repousse les attaques du dieu Mazda. Le roi Anu,
appelé Zeus par les Grecs, ne peut repartir que quand Nibiru s'approche à nouveau de la Terre. Il s'installe alors sur le mont Olympe, pas loin de sa fille bien-aimée Athéna, et profite des beautés de la Grèce, surtout des femmes grecques. Zeus est aussi un juge sévère. Quand Prométhée vole le savoir pour le donner aux hommes, Zeus le punit férocement et châtie l'humanité par l'intermédiaire de Pandore. Pandore est bellissime, mais elle ouvre la jarre qui garde les maux du monde et ceux-ci se propagent partout, condamnant le genre humain à la souffrance. Non encore satisfait, Zeus provoque un déluge, noyant tout être vivant, sauf un homme et une femme qui repeupleront le monde. Homère et Hésiode citent ces dieux à la peau laiteuse, les Théos, qui vivent sur le mont Olympe et ordonnent des sacrifices d'animaux pour inhaler la fumée de la graisse brûlée. Le sud de la Mésopotamie, où réside déjà la famille du Sumérien Abraham, est attribué à l'Elohim El Shaddai. Les Anunnaki sont appelés Elohim par les Hébreux. El Shaddai donne à ses fils Kamosh et Mircon les familles des deux frères d'Abraham et à son autre fils Yahvé. Il donne la famille des descendants d'Abraham, les Hébreux, dont le chef Jacob est décrit comme un homme fourbe. Yahvé est un jeune militaire qui ambitionne d'agrandir le territoire reçu. Son épouse, Achéra, nourrit les Hébreux par de grandes quantités de pain et lui les entraîne au combat. Quand ils sont prêts, il ordonne à Jacob, qu'il renomme Israël, le massacre des familles voisines, en commençant par les femmes et les enfants. Avec Yahvé, on ne plaisante pas. Comme tout Anunnaki, il se saoule avec du shaktar et se calme aux fumées de la graisse brûlée d'un bébé. Et il tue quiconque le contredit. Soutenu par Marduk, Yahvé bombarde les villes de Sodome et de Gomorre et refuse de trahir les Elohim, Belzébuth et Belphégor, ses adversaires. C'est encore Yahvé qui conseille à Marduk de différencier génétiquement la langue des constructeurs de la tour de Babel. Ayant copié les techniques Anunnaki, des hommes géniaux avaient construit un missile dissimulé à l'intérieur de la tour et souhaitaient rejoindre Nibiru, là où la vie dure des milliers d'années. Quand les Babyloniens remplacent les Sumériens, de ce peuple ne restent que les Hébreux de Jacob, que Yahvé a fait se déplacer en leur promettant la terre de Canaan. Depuis l'épisode de Sodome et de Gomorre, craignant pour sa propre sécurité, Yahvé n'utilise plus ses armes destructrices. Les Hébreux combattent donc tout seuls, mais leurs puissants voisins, surtout les Égyptiens, les réduisent souvent en esclavage. Alors Yahvé organise la fuite des Hébreux de l'Égypte. Il instruit Moïse afin qu'il vole le pharaon et qu'avec ce butin, il paie des mercenaires pour entraîner dans le désert une génération de guerriers hébreux.
Puis il donne à Moïse des centaines d'ordres afin qu'il se débrouille tout seul sans l'appeler en vain. Fort de cette armée, les Hébreux massacrent les peuples qu'ils rencontrent sur leur passage, arrivent dans le pays de Canaan et fondent Israël. Voulant atteindre au prestige des Grecs qui ont les livres d'Homère, les Hébreux écrivent l'histoire de leur pacte avec l'Élohim Yahvé et racontent leurs péripéties pour rejoindre la terre promise. Pour ce faire, ils s'inspirent des textes sumériens, citant ainsi des dieux qui créent l'homme, possèdent des armes destructives et se calment en inhalant la graisse d'animal brûlé. L'ensemble de ces textes, la Bible hébraïque, cite aussi les Malakim, des messagers divins identiques à l'homme et dangereux pour les femmes aux cheveux longs. En Asie, la vallée de l'Indus a été attribuée à la déesse Inanna. Inanna est très belle. Son passé en Mésopotamie l'a rendue déesse de l'amour. Quand Inanna arrive au fleuve Indus, les natifs l'appellent Ishtar et la vénèrent avec ses compagnons géants qui marchent de façon bizarre, laissant d'étranges empreintes au sol. Sous Ishtar, un système matriarcal est établi. La vie dans la vallée de l'Indus se déroule pacifiquement et la pensée des humains est tournée vers la réflexion. En Europe, le prince charmant Rama rejoint les possessions à lui attribuées. Mais les hommes de sa suite n'apprécient pas le grand froid. Alors, Rama repart avec sa cour de dieux et d'humains, parcourant le monde en quête d'un territoire où régner. Quand ils arrivent en Inde, le dieu Brahma, à qui a été attribué le nord de l'Inde, les laisse faire. Rama, renommé Vishnu, fonde alors la culture indo-européenne dont le langage, le sanskrit, est un mélange de langues européennes, héritage de ceux qui l'ont suivi. C'est en sanskrit qu'est écrit le Veda, un ensemble de textes scientifiques citant des vaisseaux spatiaux appelés Vimana, des armes à énergie, des batailles livrées en plein ciel et des bombardements sur les villes. Ce voisinage inattendu de Rama dérange le dieu de la destruction, Shiva, maître du sud de l'Inde. Les trois dieux s'accordent enfin et forment le Trimurti de l'hindouisme. Mais une nuit, les guerriers noirs de Shiva attaquent en force les Indo-Européens et les repoussent hors de l'Inde. Rama, comme d'habitude, ne s'en mêle pas. Chez lui, les hommes sont tous des dieux. Cependant, quand ils abusent de leur divinité, Brahma les châtie en cachant leur pouvoir divin là où ils ne le trouveront jamais, dans leur jeu intérieur. Ainsi les hommes explorent-ils la terre, les mers et le ciel sans jamais parvenir à la divinité qui est pourtant au fond d'eux-mêmes. «
Rama dirige les Indo-Européens à travers déserts et montagnes jusqu'en Anatolie, où ils sont bien accueillis par l'ayant droit à la Turquie, le dieu créateur Tengri. Rama s'installe sur le mont Argé, mais son frère Virakosha en décide autrement. Suivi par ses fidèles, Virakosha traverse l'Asie, passe le détroit de Bering, longe la côte pacifique et arrive sur la cordillère des Andes, là où l'air est bon pour les Anunnaki. Les natifs des montagnes andines vénèrent comme des dieux ces nouveaux arrivants. Ils appellent Virakosha Tonatiu, le dieu soleil, et le représentent, lui et les dieux de sa suite, comme des astronautes utilisant commandes, leviers, casques et véhicules volants qui atterrissent et décollent probablement sur les pistes de Nazca. Les écritures boliviennes citent la déesse Pachamama, grand-mère de la Terre, qui à bord de son vaisseau spatial atterrit près du lac Titicaca, génère 70 fils et repart dans le ciel. Des machines resplendissantes qui descendent du ciel arrivent à l'Himalaya où les écritures tibétaines décrivent les pilotes comme des dieux volants. D'autres machines volantes débarquent au Japon, le dieu empereur Jinmu, doté d'un miroir magique lui permettant d'observer les îles du Pacifique. Jinmu fonde le shintoïsme, une religion polythéiste prônant l'harmonie et l'hygiène du corps. En Chine, à cette époque, les hommes sont vêtus de peau, ils se nourrissent à la façon des animaux et vivent sans règles et sans morale. Une légende raconte qu'un jour, une jeune fille, découvrant une empreinte de géant, y posa son pied et qu'ainsi, elle engendra le dieu héros Fuxi et sa sœur, la déesse Nuva. Ils sont représentés par un buste d'être humain et des corps de serpents qui se tressent entre eux comme les colonnes de l'ADN. Fuxi est un dieu éducateur. Pour que les Chinois deviennent des hommes civilisés, Fuxi invente l'écriture chinoise, formule les règles morales et à bord de sa machine volante, ressemblant à une tortue, il parcourt la Chine, prônant l'union des tribus chinoises sous un même symbole, le dragon. Mais Fuxi et sa sœur ne sont pas seuls. Le dieu Huangdi, appelé l'empereur jaune, soumet les ethnies qui occupent le nord de la Chine et fixe sa capitale près de Pékin. Le dieu Yandi, appelé l'empereur rouge, occupe le nord-ouest de la Chine, tandis que Shiyu, le dieu ancêtre des Coréens, se limite à contenir ses belliqueux voisins. L'ancienne littérature chinoise décrit ces dieux comme des guerriers géants qui se querellent entre eux, s'épousent entre frères et sœurs et se calment en inhalant la fumée de la graisse qui entoure l'intestin des victimes brûlées. D'autres dieux volants arrivent en Australie, où les aborigènes les appellent les frères de la foudre et les représentent comme des astronautes.
en Scandinavie, les ayants droit sont les Oz, ancêtres des Vikings. Ces dieux géants font partie de la cour de Rama. À la fin de la grande glaciation, ils quittent l'Anatolie et s'installent dans leurs possessions européennes. Odin, leur chef, dieu du savoir et de la guerre, est suivi par son fils Thor, qui est le plus fort des dieux, et par d'autres divinités. D'autres dieux encore, provenant de la cour de Rama, reviennent en Europe. Ces géants sont les Tuatha des Dananes et fondent la culture celtique. Leur roi est Lugh, dieu suprême. L'accompagne la déesse mère Brigitte, le dieu du tonnerre Taranis, le dieu des druides Susellos, le dieu de la magie Ogmios et d'autres encore. En 600 avant Jésus-Christ, de nouveaux systèmes de pensée apparaissent simultanément, remplaçant la religion par la philosophie. Au Népal, Bouddha pressent que l'homme est un esprit éternel qui vit différentes étapes. En Inde, le jaïnisme prêche également la réincarnation et l'illumination. En Chine, Lao Tzu prêche le Tao, l'équilibre parfait qui soutient l'univers. Mais Confucius refuse de croire aux arguments surnaturels. En Grèce, Socrate, Aristote et Épicure refusent eux aussi le surnaturel et expliquent le monde par l'action de lois naturelles. Cela n'empêche pas Athéna, devenue déesse de la guerre, de dominer militairement l'Égée. Mais les conflits continus entre Athènes et Sparte affaiblissent la Grèce, qui est alors envahie par Alexandre le Grand et le sera plus tard par les Romains. À cette époque, les hommes se sont multipliés hors de proportion. Il est difficile de les contrôler. Les dieux, bien qu'équipés d'armes mortelles, ne sont que quelques centaines et ne disposent que d'un pouvoir technique. Athéna comprend la situation et s'adapte. Préférant le caractère guerrier des Romains à la philosophie grecque, elle déplace ses intérêts vers la prometteuse Rome, nouveau centre du pouvoir. Athéna est alors appelée Minerve par les Romains, Zeus devient Jupiter, Poséidon devient Neptune et ainsi de suite. L'ancienne littérature romaine décrit ces dieux comme des géants belliqueux qui se calment en inhalant la fumée de la graisse d'animaux brûlés. L'Empire romain domine les nations qui entourent la Méditerranée, y compris Israël, où la Vierge Marie est visitée par l'archange Gabriel et enfante Josué. Josué, désormais appelé Jésus par la combinaison des deux noms Josué et Zeus, afin d'en faire ressortir le caractère divin, est génétiquement généré pour accomplir une mission ordonnée par Yahvé, l'Élohim des Hébreux. Il doit chasser les Romains hors d'Israël. «
La conduite bienveillante de Jésus n'étant pas conforme aux ordres, la rébellion juive échoue et Yahvé l'abandonne aux Romains. Mais Jésus se sauve. Il est enlevé vivant de la croix et porté au ciel sur un vaisseau spatial. L'historien hébreu Flavius Joseph écrit que quand les Romains détruisent Jérusalem en réponse à cette rébellion, les divinités la quittent sur de grands chars célestes. Et Tacite affirme qu'il y eut des batailles dans le ciel. L'Élohim Yahvé disparaît à tout jamais d'Israël et les Romains renforcent leur occupation. C'est alors qu'un juif romain, Paul, pour démontrer sa propre thèse religieuse, manipule la Bible hébraïque et invente que Yahvé est le Dieu unique, créateur de l'univers et de l'homme, et que Jésus est le Fils de Yahvé, envoyé sur la terre pour libérer les hommes du péché originel. Mais la Bible hébraïque ne parle d'aucun péché, ni de Yahvé en tant que Dieu créateur. De plus, affirmer qu'un homme est fils de Dieu est blasphématoire pour les Hébreux. Le christianisme s'impose tout de même dans l'Empire romain et la Bible hébraïque remaniée, jointe au texte citant la vie de Jésus, compose la Bible chrétienne. Les chrétiens se divisent bientôt et entrent en conflit sur la question de la divinité de Jésus jusqu'en l'an 300, quand le Concile de Nicée établit que Jésus est Dieu et Fils de Dieu et que le pontife de la religion chrétienne est l'empereur romain, réunissant ainsi l'État et la religion sous un seul pouvoir. Depuis, l'Église catholique de Rome, héritière du christianisme de Paul, cache la Bible originelle pour que personne ne sache qu'elle ne parle pas de Dieu, mais d'extraterrestres. Les autres religions en font tout autant. Elles ne reconnaissent pas la véracité des écrits originels et leurs livres sacrés n'en sont donc que des réécritures frauduleuses. Comment les anciens écrivains si éparpillés aux quatre coins du monde auraient-ils pu inventer des êtres et des faits si ressemblants entre eux? Parmi des milliards de planètes, il est impensable que la vie ne soit apparue que sur la Terre. Il est donc possible que des êtres surnaturels arrivent chez nous pour la même raison que nous allons dans l'espace. C'est un être surnaturel, l'archange Gabriel, qui rend visite à Mahomet en Arabie. Cet archange, déjà cité dans la Bible comme étant le Malakim qui apparaît à la Vierge Marie, est un militaire de haute hiérarchie portant les ordres des Elohim. Pendant 23 ans, Gabriel transmet à Mahomet la parole du Dieu Allah et la transcription de ces paroles constitue le Coran, le livre sacré des musulmans. Mahomet se présente aux Hébreux comme étant définitivement le dernier prophète, mais ils se moquent de lui. Alors, Mahomet arme ses fidèles, combat les Hébreux et change la direction de la prière de Jérusalem vers la Mecque.
prophète et chef militaire, Mahomet fonde l'islam, un monothéisme fondamentaliste dans lequel il n'est pas besoin de croire pour constater l'existence d'Allah, l'unique Dieu créateur. La dernière religion reconnaissant un unique Dieu créateur apparaît en Inde, où le gourou Nanak fonde le sikhisme, une religion prêchant la gentillesse et la prière. En Europe, la Révolution française et le mouvement des Lumières remettent en question la religion. L'idée que les théologiens peuvent affirmer ce qu'ils veulent sans le prouver est totalement irrecevable pour les scientifiques qui, eux, doivent toujours prouver ce qu'ils affirment. L'histoire des religions devient alors une discipline scientifique à part entière et les gouvernements occidentaux se libèrent du clergé et deviennent laïcs. Mais le besoin de foi de l'humanité persiste, et elle s'adapte en remplaçant le Dieu surnaturel par un Dieu matériel. Ce nouveau Dieu est l'argent, et sa religion prêche la richesse obtenue par la dette. Belliqueux, le Dieu argent déclare la guerre sainte au christianisme, à l'islam et à tout ce qui n'est pas en vente. De même que Yahvé, argent arme des mercenaires sans foi ni patrie, leur faisant massacrer des millions d'innocents au nom du marché. Au lieu de s'unir contre le fondamentalisme économique, les religions du monde assimilent ce nouveau culte, accélérant ainsi leur propre fin. Et l'histoire n'est pas terminée, car le dieu argent génère d'autres dieux. Le tout dernier est Tech, le dieu de la technologie. Les prêtres sont un petit groupe de jeunes milliardaires installés dans la Silicon Valley, dont l'ambition est de soumettre à leurs croyances le monde, le contrôlant par l'informatique. Tech est adoré surtout par les jeunes, mais sa religion prêche l'intelligence artificielle, les imprimantes 3D, et la réalité virtuelle, réduisant le nombre des emplois et poussant à la misère des millions de travailleurs. Les milliardaires de la Silicon Valley, eux, s'enrichissent toujours plus en vendant du superflu. Tout comme le catholicisme, qui s'est enrichi en dépouillant le monde et en vendant d'illusoires images pieuses. Tout comme l'islam, qui s'enrichit grâce au pétrole, si nuisible à la planète, et qui, avec cet argent, arme le terrorisme. Tout comme l'hindouisme, qui divise ses fidèles en castes et laisse mourir de faim les plus pauvres. Et tout comme l'hébraïsme, depuis les temps de Jacob, exproprie encore ses voisins à coups de canon. C'est l'histoire de notre passé et de notre présent qui vient de vous être racontée. C'est aussi l'histoire des religions.
Et que les dieux existent ou pas, c'est en leur nom que les crédules massacrent d'autres crédules en croyant qu'il est juste de le faire. Un jour peut-être, la connaissance triomphera-t-elle de cette ignorance si prisée par les dieux et les prêtres ? Alors nous serons si évolués que nous pourrons jouer et faire l'amour tous les jours, comme au beau vieux temps quand nous étions de très simples singes.